Parmi les nouveaux talents dévoilés dans The Voice 2023 ce samedi 11 mars, un jeune garçon qui se prénomme Bay. Il n'était pas prévu qu'il participe au télécrochet et pourtant, le destin en a décidé autrement. Les auditions à l'aveugle se poursuivent dans The Voice 2023. La semaine dernière, plusieurs talents ont rejoint Zazie, Big Flo et Oli, Vianney et Amel Bent. Parmi eux, Ludmilla, une jeune actrice qui a tourné avec Omar Sy, Micha, venue tout droit de la Guyane et Awan qui a enchaîné les inscriptions avant de finalement se retrouver sur le plateau de TF1. Ce samedi 11 mars, d'autres participants ont dévoilé leur talent au coach. Parmi eux, Bay, un jeune homme de 20 ans qui n'avait pas prévu de participer à The Voice. Mais quand le destin en décide autrement, Bay n'aurait pas dû participer à The Voice 2023, découvrez pourquoi en effet, lors des premiers castings pour participer à The Voice, Bay était présent, en tant que musicien, pour accompagner son ami Tayan. Cette dernière était prête à tout pour qu'on lui laisse sa chance dans l'émission. Finalement, lors de son audition, les membres du jury présents ce jour-là ont aussi voulu entendre la voix de Bay. Et sans qu'il puisse s'en douter, il a aussi décroché sa place pour la saison 12. Le lendemain, ils m'ont appelé en me disant qu'ils voulaient continuer avec moi, révèle-t-il à l'antenne. Pour son ami depuis 3 ans, si est-ce une vraie opportunité qui se présente à lui, et elle n'aurait jamais pu être plus que heureuse que ça. Ben si est un garçon très doué qui rend tout très beau, confie-t-elle avant d'ajouter, je suis aux anges de pouvoir faire cette aventure tous les deux. De son côté, Bay est également ravi de participer à l'émission avec son ami, j'espère de tout mon cœur que ça allait pour elle et pour moi. J'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble, et d'autant plus dans la même équipe. Bay poursuit l'aventure The Voice 2023. Bay est passé le premier devant le jury pour tenter de les faire se retourner. Sur scène, il a interprété sa propre version de Je veux de Zaz. S'il n'est pas parvenu à avoir les 4 coachs de son côté, il peut s'estimer heureux et fier d'avoir convaincu Big Flo et Oli. Dans les coulisses, Tayan se dit trop fier et très ému à la fin de sa prestation. On a redécouvert la chanson sous un autre jour. Au-delà d'une voix, tu es un vrai artiste qui a des propositions à faire. Si est-ce ça qu'on adore. J'ai kiffé, déclare Big Flo. Une belle histoire qui commence. À lire aussi The Voice 2023, Amel Bent va retrouver un ancien candidat de la saison 2 de Nouvelle Star.